Lady Stark, quel bon vent vous amène? L'hiver est là, il m'est arrivé pas mal de merde. Certes, oui, c'est peu de le dire. Donc je voulais voir s'il allait m'arriver quelque chose de sympa. Oh là, c'est pas prévu ça. Comment ça? Alors je suis pas censé vous dire, mais je crains que pour vous ce soit la même compote toute votre vie. Hein. Je viens pour changer mon état civil. Comment ça? Mon pote Sam m'a envoyé un corbeau. Apparemment, je suis pas un bâtard. Ah. Maintenant, je suis John Targaryen. Mmh. Donc ça veut dire que je suis noble. Je vais pouvoir officiellement me marier avec... Avec... Daenerys, c'est... Votre tante. C'est ma tante. Putain, fais chier, on peut pas se marier. Bon, moi c'est un peu particulier. Je suis amoureux d'une femme. Catelyn Stark. D'accord, donc tout le monde est au courant? Ouais. Ok. Donc oui, Catelyn. Et je suis tellement amoureux d'elle, je suis tellement obsédé par elle, que j'en suis attiré par sa sœur. C'est pas grave, ça. Et sa fille. Ah. Ah non, c'est moi n'importe quoi. Par exemple, que quelqu'un me dise à tes souhaits ou que je réussisse une omelette. Bah, c'est marrant, ça, je lisais omelette, là. Mais non, vous allez la rater. C'était une 3 champis, vous allez en mettre 4. Vous êtes en Targaryen. Oui. Daenerys. C'est votre tata. J'ai la tata, tata oui. Daenerys. Hein? Et elle est Targaryen. Oui, puisque c'est ma tata, du coup. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez... Vous... Pécho. Voilà. Ouais, en plus, c'est même la tradition dans la famille, non? T'es complètement le style. Oui, je viens de croiser Jon Snow dans les couloirs, là. Mmh. Apparemment, il aurait le droit de choper sa tante. Ouais. Putain. Moi, ça fait des années qu'on me pète les rouleaux, sous prétexte qu'avec ma sœur, on aime bien se faire des bisous dans les fesses de temps en temps. Et lui, déjà, à la base, c'est un bâtard. Hein. Et maintenant, on apprend que c'est le neveu de la reine légitime, et en plus, il a le droit de la pécho. Bah, c'est un Targaryen, quoi. En plus, le gars, il a le charisme d'une sacoche. Je viens de croiser Jon Snow. C'est vrai qu'il va niquer sa tante? Ouais. Ouais, parce que nous, la garde de nuit, c'est ceinture, pas de sexe. La vie est injuste, mon petit bonhomme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je suis tout seul, là, comme un con. Bien, bien seul, hein. Mm. Vous imaginez comment c'est chiant de se branler. Ah là là là! Pardon. Je veux pas entendre. C'est pour... Pour se branler. Ok, allez. Est-ce qu'on pourrait pas niquer? Là, c'est le moment, je pense. Non, 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 c'est pas prévu. Personne ne nique sur le mur. Même une de nos tantes. C'est crasse-pouille. Stop, merci. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? C'est chaud, parce que là, je bande, là, déjà. Ouais. Daenerys de Typhon de la maison Targaryen. Première du nom, reine de Meereen. Oui, oui. Bon, c'est bon, pas la peine de failloter. Viserion, mon troisième dragon. Qui est tombé aux mains des marcheurs blancs, oui. Mais justement, parlons-en. Donc moi, pour avoir mes dragons, j'ai fait une fausse couche. J'ai non brûlé dans les flammes du bûcher de mon mari. Je me suis retrouvée à poil. À poil. Ouais, j'étais pas là, mais... Dans les steppes au cul du monde. Et lui, là, le Night King, il fait boop sur le nez de mon Viserion et c'est plié. Je comprends. J'imagine que vous êtes là parce que vous avez tout gâché, que vous avez fait les pires choix, que même Jamie vous a laissé tomber. Je cherche la cave. La cave. Avant. Du picrate, de l'agneau, du rouge, du blanc, de la picote, de la tisse, faites un effort. Il n'y a pas ici, il y a que des vieux bouquins, de la poussière, des araignées, 3 bouts de cailloux. Ces derniers temps, plusieurs choses ont dû être réglées de manière assez rapide. Il y a peut-être des petits morceaux qui ont été un peu bâclés, quoi. C'est de la merde. De la merde, oui, non, je dirais plutôt torché. C'est de la merde. C'est de la merde. On est d'accord. Bâclé. Je veux dire, peut-être que vous avez une attirance plus pour les rousses. Le frère de Catelyn, par exemple, vous vous en foutez. C'est vrai qu'il a du charisme, mais ouais, je m'en fous. Voilà. On se sent rassuré quand on est à côté de lui, donc c'est pas rien, quoi. Ouais. Ça donne envie de se rapprocher de lui physiquement, quoi. Vous êtes amoureux de lui. Ouais. Pourquoi les filles n'ont pas le droit d'être des chevaliers? Je sais pas, parce que chevalière, c'est un genre de bague. C'est pas un argument, ça? Non, c'est un jeu de mots. Et sinon, il y a une vraie raison? Mais la guerre, c'est un truc de mec. C'est un truc viril, quoi. Les femmes sont de frêles créatures, comme ça qu'il faut... Wow. Les idées moyenâgeuses, quoi. Bah, je sais pas. Jorah Mormont. Tout à fait. Auriez-vous une minute à m'accorder, s'il vous plaît? En fait, j'ai écrit une petite lettre d'amour et j'aimerais bien avoir votre avis. Ouais, je suis pas là pour ça, mais allez-y. Cher Daenerys. C'est mort. Si, j'ai peut-être un truc sympa. À un moment, il va y avoir un petit coup de vent et vous allez éternuer, il va y avoir de la mort. Sentir de la mort. C'est un bon gag.
Il y a plein de femmes qui voudraient pouvoir aller à la guerre. Ouais, non, à mon avis, non, il y a vous. Et peut-être si l'autre grande blonde, là, la grande tige. C'est pas vrai, il y a plein de gens qui pensent comme moi, même des hommes. Ouais, bon, bah, quand il y aura plein d'autres gens qui veulent la même chose que vous, j'y repenserai. Je vous remercie. Ma bite ! Oui. Et ? Bah, j'en ai plus. Bon, ça c'est... C'est passé. Moi aussi, je veux que les filles puissent être chevaliers. Je ne suis pas dupe. Moi aussi, je veux que les filles puissent être chevaliers. Moi aussi, j'aimerais que les filles puissent être chevaliers. Moi aussi, j'aimerais que les filles puissent être chevaliers. Moi aussi, je veux que les femmes puissent devenir chevaliers. Putain, la vache. Mais c'est grillé, c'est ma tête, là. Bon, regarde, merde, on va pas passer la journée là-dessus, là, je suis vanné. Vous voyez pas qui est Bertha? Non. La bossue avec une tache de vin, avec un pied beau, qui vend des poulardes. Vous l'aimez pas, elle? Elle a vendu des poulardes à Kathleen? Je crois une fois... Je l'aime! Je l'aime! La souplesse. Je vous dis, non? Avec votre verge dedans. Oui. Très bien. En érection. J'imagine déjà pas votre verge dedans, enfin, ni la mienne d'ailleurs. Vous voulez tester? C'est froid ou c'est... C'est froid. Il y a une pathologie. Kathleen Stark. Si je vous dis que c'est moi, par exemple... Ok, stop. Je veux juste me bourrer la gueule. T'as pas du shit? Non. Elle se fume ta plume, là? Tout se fume quand on a vraiment envie, hein, mais... Bah, vas-y, envoie. Et les loups? Je les aime tous. Ok. Bon, là, admettons, ça, c'est Daenerys. Ouais. Elle est là, avec tous ses petits copains. Et là, tout le monde s'amuse. Ouais, je vois, très bien. Ça, c'est vous. Ouais. Vous, vous êtes là. À vie. Ah. Pour toujours. C'est loin, loin. C'est quoi l'échelle Ah, c'est faudrait une autre carte. Ok. J'ai vu, dans les plaines glacées du nord, s'élever une sombre menace contre toute forme de vie. De la corneille jusqu'à la rose dorée, du cerf majestueux à la truite vivace. Tous vont se réunir au son du flutio céleste. Des volutes de fumée purpurine embaumeront les pupilles et les narines dans une ultime célébration de la vie. Ok, c'est ça que je veux.